et bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est 7h, nous sommes le samedi. Je sais pas combien on est. On s'en fout, c'est le jour du permis, c'est ce qui compte. Je suis en panique totale, j'ai mal au ventre. Bon, là il est 7h, je passe à 9h30, mais pour le moment il y a personne sur la route. Mais ça va le faire, je vais avoir mon permis. Je stresse. Je vais avoir mon permis. Je stresse. Un examen du permis plus tard. J'aurai pas mon permis, j'ai espoir, j'ai vraiment espoir, mais la monitrice a dit que c'était sûrement mort. J'ai trop bien conduit, genre. Je pense que même en heure de conduite, j'ai rarement aussi bien conduit. C'est au moment de la manœuvre, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai été hyper stressée parce que c'était un créneau. C'est sûr à 98% que j'ai raté mon permis, mais je suis quand même trop contente parce que je l'ai passé. Et genre j'arrête pas de sourire depuis tout à l'heure même si j'ai raté. C'est absolument pas une réaction normale après avoir raté son permis, mais c'est pas grave. J'avais même mis droite et gauche sur mes mains et là j'ai mis un truc pour me dire de tourner la tête. J'ai même pas besoin de les regarder pour me dire de le faire. Genre je suis trop contente. Et puis j'ai eu le résultat tant attendu. Eh ben j'ai pas eu le permis. Bonjour, bonjour. On est dimanche, il est 9h. J'ai pas eu le permis, j'ai eu le résultat. Donc je l'ai pas eu. Je suis pas triste. Genre la première fois que je l'ai pas eu, quand je suis sortie du truc, j'ai pleuré. Là, enfin vraiment, à aucun moment j'ai lâché une petite larme. Et je suis juste hyper positive, genre... Parce qu'en fait, moi je considère pas l'avoir vraiment raté, genre... C'est juste une erreur et j'en ai conscience que j'ai fait une très grosse erreur. Mais c'est un truc que j'aurais pu éviter. Bah c'est pas grave, genre je l'aurai la prochaine fois parce que je sais que j'ai les capacités de l'avoir. Parce que si j'avais pas fait cette erreur, je l'aurais eu, c'est certain. C'est juste parce que j'ai raté un créneau, genre. En fait je suis juste dégoûtée parce que j'aurais pu l'avoir. Je suis même pas dégoûtée du résultat parce que du coup je m'y attendais. Et que c'est logique étant donné l'erreur que j'ai fait. Mais je suis dégoûtée de moi pour avoir fait cette erreur là. Parce que c'est bête, genre j'ai fait un créneau mais j'avais la place derrière. Et au lieu de ça je me suis collée à la voiture et j'ai failli lui rentrer dedans. C'est vraiment pas une erreur grave. C'est pas une erreur de moi qui sais pas conduire ou qui met les autres en danger, absolument pas. Il est 10h. J'ai mangé mon repas de midi déjà. Parce que là je vais aller travailler après, j'ai 3 appartements à faire. Donc ça va me faire à peu près 3 heures, du coup il vaut mieux que je mange avant. Outfit du jour. Très fan de Taylor Swift, mais c'est pas grave. Without change, two habits in the money. Amis des araignées. Bon, en fait, là, mes vidéos elles bug. Je comprends pas pourquoi. Du coup, bisous. On se retrouve demain. Mais la soirée ne s'est pas arrêtée là. On a vu que c'était la période des étoiles filantes, donc on a décidé d'aller les voir. Starting again.
qu'il est sympa, à part que j'ai un sac qui pèse 4 kilos parce que j'ai ramené des perles. Surtout les chaussures. Je suis désolée, mais elles sont trop belles. Et j'ai commandé des chaussures. Elles vont être trop belles. Je vais être trop magnifique. C'est des belles chaussures de mamie. Bien comme j'aime. Bien vintage. Wow. Bienvenue à Toulouse. C'est bon, tu te régales? Ah bah non, elle a toujours pas mangé, elle fait des photos. Je prends d'abord les photos. Il m'envoie des photos, il est sur ses poils. Elle va le voir. Ça se voit que tu galères bien. Vas-y, tu peux dire bonjour au bug et tout. Hein. Non, y'a pas de bonjour ici. T'as vu? C'est bon? C'est pas. Bah, en vrai, c'est bon là, non? Mais regarde, j'avais cette jour, je prends le haut. Mais non, parce que regarde, là, ça peut sortir. Vas-y. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Vas-y. Non, je suis rouge. Oh non! J'ai perdu. Bon. Non mais ça va prendre feu. Ah oui. Ah non. Non, même pas. C'est pour le vlog. Mais c'est ouais, c'est pour le vlog. C'est de l'alcool. Bah oui, mais bon. Mais on avait déjà essayé en plus. Il faut. T'as pas du gel hydroalcoolique? Ça, ça oui. Marche. Oui, la première fois que je l'ai invité chez moi, il faisait des bites dans la rue en gel hydroalcoolique et ça le faisait. Mais je faisais aussi au foyer. Oui. Ouais, il a plus de gâteau de la condamnation. Mais que c'est chelou, c'est chelou. Attends, tu peux pas enlever ta main? J'ai cherché le gâteau. Joyeux anniversaire!